te dire à l'amour et le grand honneur. Bravo à vous. On est tous citoyens, on a chanté l'hymne française, l'hymne de la France, et de l'autre côté, on a aussi l'hymne du Cameroun. Vous voyez qu'on a beaucoup de choses qui nous rassemblent finalement, on partage les mêmes valeurs. Et d'ailleurs, parlant de valeurs, vous allez nous dire quelle est la devise de la France, et Sa Majesté va nous dire quelle est la devise du Cameroun. Quand il arrive à une fête, c'est un grand événement. Vous n'avez pas idée toute la foule qui a envie de le voir, de le toucher, de s'approcher de lui. Et il a une grosse délégation. Quand il arrive, il met de l'ambiance. Vous voyez, c'est un chef qui est jeune, les enfants l'adorent, les jeunes l'adorent, les adultes l'adorent. Donc quand il arrive, tout le monde est content. Il y a des ouh, les femmes appellent ça des ouh. Il y en a partout, partout, et c'est vraiment l'effervescence, d'accord? Dans une ou deux semaines, il va avoir un échange par internet entre ses élèves-ci et les élèves de l'école Sainte-Raïssa. Ouais, donc ils vont pouvoir se communiquer par Skype si on arrive à boucler le projet. Donc voyez, vous avez ces enfants que vous allez rencontrer, c'est leur chef, là. Vous voyez, c'est leur majesté, c'est lui le chef de ce village-là. Quel est le plat traditionnel? Le plat traditionnel, c'est le taro. Le taro à la sauce jaune. Le taro, c'est le tubercule. Macabo. Le macabo, c'est macabo, bon, là n'est pas dessus. Depuis combien de temps êtes-vous reine? Depuis 20 ans. Et parmi les 10, pourquoi c'est vous qui avez été choisi pour venir? Ah, pour venir. Ah, c'est une question de femme. C'est une question de femme. Ah, je pense que c'est ma chance. Bah, pendant que vous êtes en Europe, c'est qui surveille le pays? Quand je suis là, c'est vous eux qui me donnent les solutions à proposer à tous les problèmes. Mm-hmm. C'est comme le président de la République avec ses ministres. Oui. Il a donc, il est chef et il a des notables. Je suis accompagné de votre institutrice d'abord. Oui. Vous avez couché tous les lundis. Mm-hmm. Elle est fille du groupement Bafou où je suis le chef. Donc, quand elle rentre à part au village, c'est pour aller me trouver. Elle pas rester chez elle, mais avant de partir, de rester chez elle, elle vient me donner le compte rendu de ce qu'elle a vu à Paris. Que je puisse me cultiver avec, que je puisse éduquer les enfants qui sont derrière, me dire à Paris, c'est maintenant comme ça qu'on vit. Je m'appelle Patrick, j'habite en France, je suis de Bafou et c'est mon chef. Oui. Votre fonction? Je suis militaire. Et je suis un sujet de Sa Majesté ici à Paris. Nous on a fait le déplacement pour l'encadrer ici en région du Nord, comme ceux de Nantes. Demain, il va à l'Assemblée nationale et il va rencontrer votre mère, qui est députée, donc il va le rencontrer. Il donnera de vos nouvelles. Hein. Je vais le faire sous le contrôle de la reine-mère. Je vais vous montrer comment on dit bonjour à un roi. Quand on arrive pour le saluer, on fait comme ça, on se coupe. Donc, vous voyez, je ne sais pas si je le fais bien. On tape comme ça. Trois. D'accord, oui. Un, deux, trois. Ouais. C'est ça. Et un mot qu'on dit, on dit bambou. Bamboulou. On fait comme ça et on se tient, on s'approche pas trop. Hein. Comment dit une école en... Pardon? Une école. Faut que tu parles plus fort. AGS School. AGS School. Comment on dit pomme? Pomme. Mentita. Une famille. 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 Atsrenya. Atsrenya. Le roi. Le roi. C'est faux. Comment t'appelles-tu? Ah, le roi. Donc, je suis très fier de vous rencontrer. Et surtout que j'ai eu la chance de constater qu'une de mes filles s'appelle aussi Léa. Ah. Voilà. Ça, c'est l'os de bœuf. De la vache. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Et on se revoit l'année. Vous avez pris votre affaire en parlant. Avec un peu de chance, on va aller dans l'avion. On va aller chercher après tes affaires.